Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Strokulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de toucher des forces de l'IO avec un arc primitif enflammé. Alors tout d'abord, il vous faudra trouver un arc primitif enflammé, donc les arcs primitifs enflammés, c'est ceci. Donc voilà, regardez le petit logo en bas, donc arc primitif enflammé avec une petite flamme, une flèche en forme de flamme. Donc... avec cet arc, vous allez devoir toucher des gardes de l'IO, donc qui sont juste devant moi, comme vous pouvez le voir. Alors, les emplacements de ces gardes de l'IO, il y en a 5. Il y a 5 emplacements. Il y a un emplacement ici. Voilà. Il y a un emplacement qui se trouve ici. Donc, vous le voyez parce qu'il y a des sortes de trous, de cratères sur la map. Donc, ça veut dire qu'il y a un emplacement de gardes de l'IO. Il y en a un juste ici. Voilà. Il y en a un autre qui se trouve... ici, et il y en a un dernier qui se trouve à côté de Lockjam, juste ici entre les deux collés. Donc voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à l'un de ces emplacements, même plusieurs de ces emplacements, parce qu'en fait, les gardes de l'IO, il y en a entre 2 et 3 gardes de l'IO par emplacement. Et pour savoir, il faut savoir que pour terminer le défi, il faut toucher cette garde de l'IO. Donc hop, je l'ai touché une fois, on va voir si... je peux le retoucher une deuxième fois, ça compte. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être cette carte différente. On va voir. Hein. Là, j'en ai touché. Là, je l'ai touché deux fois. On va se protéger. Ok, en fait, non, il n'y a peut-être même pas besoin d'aller à plusieurs emplacements. Regardez ce que je vais faire, une astuce. Hop. Attendez, parce que ils vont me tuer, ça continue. Ce que vous allez faire, en fait, c'est en mettre un en PLS. Oula. Voilà, vous en mettez un en PLS. Et ensuite, non, j'ai déconné. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous éloignez. Là, le deuxième garde de l'IO va aller soigner le premier garde de l'IO. Vous le remettez en PLS. Vous remettez le premier garde de l'IO, enfin celui qui vient d'être réanimé, en PLS. Ça vous refait une flèche en plus touchée sur un garde de l'IO avec une flèche enflammée. Et à chaque fois qu'il le réanime, il faut que vous vous éloignez pour pas qu'il vous détecte. À chaque fois qu'il le réanime, et ben là, vous le remettez à terre. Et comme ça, vous allez pouvoir... infliger et toucher cette garde de l'IO avec un arc primitif enflammé en une seule game. Donc là, bien évidemment, je me suis foiré. Voilà, je me suis tué sans faire exprès. Mais bon, vous avez compris le principe. C'est assez simple. Il suffit juste de laisser le temps au deuxième garde de l'IO de réanimer le premier garde de l'IO et puis de le remettre par terre en illimité. Et quand vous aurez fait ça 7 fois, que vous aurez touché 7 fois un garde de l'IO avec une flèche enflammée, bah vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Strokulou Mike et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb